Excusez-moi, mais il a un petit peu une gueule de gaster. Salut à tous et salut à toutes, c'est Pyromaniac et aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode de Deltarune, là où on s'était retrouvé dans une prison et bah continue l'aventure parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Donc là, on dirait qu'il y a des monstres qui sont enfermés là dans des sortes de cages. Et c'est glauque, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, il y a une porte. Ok, bon, faut qu'on sorte de là. Maintenant, ça va prendre un petit moment donc. Mettez-vous confortable, tout le monde. Je sais qu'on s'est mise, Suzy. Et Ralsei. Tu sais, le père de Lancer, le roi. Oui? Quand on va le rencontrer, est-ce que tu penses qu'on aura à lui faire mal? Suzy? Je veux dire, vous pourriez facilement le détruire, mais... Vous, les gars, je sais que vous êtes pas vraiment de ce type. Vous êtes plus du genre, épargner les gens comme des losers. Et j'étais en train de réfléchir, peut-être... Est-ce qu'on pourrait... faire ça aussi? Suzy? Tu veux dire que tu veux essayer de parler? Bien. Suzy... Oh, je serais tellement content si tu parlais avec nous. Et t'inquiète pas, je serai là pour t'aider. Tu n'auras pas à faire ça juste seul. Bien sûr, ok. Hé, hey, Ralsei. Suzy? Enfin, est-ce que tu veux toujours faire ce genre de gâteau? Tu vas arrêter de te moquer de moi? Ah, si je dois vraiment le faire, je... Ouais. Alors je vais t'en faire... Enfin, je vais t'en cuisiner un. Comme tu les aimes, ok? Ouais, comme... Tu peux faire ça, mec. Ok, on est arrivé, donc à destination. Hey Chris, attends une seconde. Tu sais, je commence à réaliser. Donc la prochaine fois qu'on combat un ennemi, si tu me dis ce que je dois faire, je t'écouterai. Mais tu sais, me dis rien de stupide. Ou je vais continuer à casser des gueules, ok? Chris, je compte sur toi, ok? Suzy a rejoint le groupe pour de vrai. Nous sommes au premier étage du château. Oh, non, 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 non. Ok, donc. Et allons-nous combattre? Ok, donc on va leur parler, je pense. Donc Suzy le complimente. Est-ce que tu es sérieux? Il faut que tu essayes de dire quelque chose que tu aimerais que quelqu'un te dise à toi. Tu as le droit d'avoir des sandwichs à la viande aujourd'hui. Enfin, je sais pas comment trop dire ça. Tes vêtements ne sont pas dégueulasses. Enfin, ne sont pas dégoûtants. Aïe aïe aïe. Mais pourquoi tu me jettes des couteaux? Ralsei est en train de prendre très cher. Ouais, on va l'épargner. Tac, épargnons, épargnons, épargnons. Et je vais peut-être guérir Ralsei. Tac, à Ralsei. Non, pas qu'elle, j'aimerais pas qu'il meure. Il ou elle, j'ai du mal à. Bon. Après. Bon, j'ai pas envie de faire mon pro Undertale. Mais. Les fans d'Undertale, regardez bien le prénom Ralsei. Et posez-vous une question. Et ça vous fait pas penser à quelque chose? Alors là, vous allez me dire, bah non, Pyromaniac, qu'est-ce que tu me dis? Ça me fait pas du tout penser à quelque chose d'Undertale. Ben, sachant que avec les lettres de Deltarune, on peut écrire Undertale, est-ce qu'on peut écrire quelque chose avec Ralsei? Mais je m'en suis rendu compte pendant le montage de l'épisode 3. Et bon. Après, si vous connaissez pas Undertale, ça va pas vous apporter grand-chose. Mais moi, ça m'a fait tout drôle. Oh, what? C'est qui ça? Je suis Rookscard. Je suis votre plus grand adversaire. Excusez-moi, mais il a un petit peu une gueule de gaster. Ouais, même totalement. Donc, il nous propose de faire des énigmes. Tac. Dieu! What? Damn it! Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est dans Undertale. C'est un personnage caché qui apparaît que dans certaines conditions. Un peu le Herobrine d'Undertale. Ok, donc ça, c'est les toilettes du château. Charmant. Ah, regarde cette esquive délicieuse! Aïe! Des cartes. Ok, donc de retour ce type.
Pensez vraiment que c'était fini? Attention, mon ultime puzzle. Mec, je joue à Zelda depuis que je suis tout petit, tu crois quoi? Tu veux pas me tester? Oh, ils sont en train de s'enjailler ici avec de la petite musique et tout. Oh, donc un magasin. Ah, ils sont en train de me vendre des trucs. Oh, j'adore la musique. Ils nous traitent de vers de terre. Est-ce que je vends l'écharpe rouge? Oh non, ce serait trop dommage. Ça peut être sympa. C'est encore une fois une écharpe pour notre petite Radzei. Et ça lui fait moins 2 en attaque. Mais vu qu'il attaque pas, ça c'est pas grave. Et un petit peu de trucs pour se revive de l'HP. Voilà. Donc on va lui équiper tout ça. Et je pense que ça sera un combat de boss. Assez, bande de... d'asticots. Ah ok, donc il nous défie au combat. Oh non, pas encore lui, si vous voulez. Ah, l'idée de Suzy! Chris, on a besoin de retirer son... la couronne de sa tête. Aide-moi à jeter Ralzaï dessus. Oh, appuyez C pour déterminer l'angle. Oh non. Là. Oh non. Je savais pas que ça allait faire comme ça. Raté. Oh, mais quelle horreur. On utilise Ralzaï comme un vieux projectile. C'est ignoble pour elle. Enfin, pour lui. Enfin, pour elle ou lui, comme vous voulez. Donc, le plus haut possible. Tac, comme ça. Là. Ouais. Encore un petit coup et je pense que ça va aller. Jetons là, j'adore ces nouveaux gameplay à chaque truc. C'est à chaque épisode c'est un nouveau gameplay, c'est impressionnant. Là, yes. Là et là, yes. Justement, il est tombé. Et il s'en va. Tu as gagné, tu as voilà, on a gagné 4 dollars. Pourquoi? Mais brillant, juste brillant. Je savais que vous pouvez, vous êtes les plus grands héros. Bonne chance à vous, héros. Bah ok, merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez, abonnez-vous, likez, commentez. Commentez, j'ai envie de savoir ce que vous pensez des vidéos. Et c'était Pyromaniac, ciao!